Et qu'est-ce que nous voyons? On va lire ordonnance spirituelle, carte de réception, intervention rapide 15 000, retour à l'envoyeur 10 000, contre les esprits démoniaques 10 000, médicaments 15 000, médicaments jaunes 15 000, savon spirituel, des miracles, eau des miracles, poudre spirituelle, poudre solution, huile fire, huile d'autorité. Huile percée financière, huile pour financer les œuvres de la sorcellerie, huile de faveur, huile d'amour fidèle, parfait Jésus sauveur, faiblesse sexuelle, montant 35 000 dollars. Et il finit en disant que Dieu vous bénisse. Tu es maudit pasteur, tu es maudit prophète. Vous voyez, hein? Si vous êtes chrétien et que vous avez fait ces choses, vous êtes parti dans consultation spirituelle et qu'on vous a donné cette facture, tu es maudit. Tu vas aller en enfer. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais vous n'aimez pas là où la gratuité. Vous allez dans les coins comme ça, où le faux prophète vous dit de payer l'argent pour être guéri. De payer. Regardez la fiche spirituelle. Beaucoup ici, vous avez déjà eu cette fiche. Et beaucoup, vous avez déjà ça. Comment un pasteur, un homme de Dieu, va te dire de payer toutes ces choses? Comment un prophète peut vous vendre une huile d'autorité? Regardez, huile d'autorité. Regardez tout ce qu'on vous fait faire dans les églises. Et quand nous, on vient parler, nous sommes méchants. Regardez bien. Avec tout ceci, vous voulez qu'on puisse se taire. Est-ce que Dieu est descendu du ciel? Est-ce que Jésus vous a dit de faire ces bêtises? Est-ce que Jésus vous a dit de faire souffrir ses enfants comme ça? Hé, Seigneur! Tes enfants sont obligés d'avoir des ordonnances spirituelles et ça ne s'arrête pas de payer de l'argent. Nous allons parler de ça prochainement. Pour le moment, tous les prophètes qui font ces choses, vous êtes maudits. Que Dieu vous frappe. Que l'onction de Dieu puisse changer vos cœurs de pierre. Comment vous pouvez dilaper les enfants de Dieu jusqu'à ce point? Mon frère, ma sœur, toi qui es passé par ça, demande pardon à Dieu. Sinon, si Jésus revient, enfer, enfer, direction enfer. Les bébés prophètes, quand on vous dit venez là, on vous dit la vérité, vous ne voulez pas. Voilà les conséquences. Voilà. Voilà les conséquences. Ordonnance spirituelle. Bonne soirée, bye.